Positif et ancien SDF, ça vous intéresse? Nous, c'est sa voix cassée qui nous a fait craquer. Condamné à l'urgence parce que séropositif, Mano Solo n'a vraiment plus le temps des dialogues de sourds. Rencontre dans le métro bruxellois. Et tu piques du zen dans la rue. Et déjà, tu te souviens même plus qui t'étais avant, du temps où t'avais des couilles, où t'étais fier, du temps où t'avais même des rêves. Et tu piques du zen dans la rue. J'ai comme envie de te botter le cul, mais j'ai bien trop peur de te casser en deux, tellement que t'as l'air d'un petit vieux avec la entre deux en bras. Oh, 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 la femme de ceux qui n'en ont pas. Merci. À bientôt. Ton bum, il est... Il est pour donner aux gens envie de vivre, à partir de la merde, mais sans se cacher de la merde, quoi. Sans faire semblant que tout va bien. Justement, c'est parce que tout va mal qu'il faut vivre. C'est parce qu'on prend des coups dans la gueule qu'il faut les rendre. Moi, ma démarche, elle est là. Donc, effectivement, l'album, il est un peu dur comme ça, de prime abord. On prend ça pour un truc déprimant, mais ça ne l'est pas, parce que c'est un message de vie, cet album. C'est un message d'espoir, c'est un message de combat, surtout. Oh. Allô, Paris, il est si tard, il va coller. Faut combiner, ouais, je relance encore avec l'espoir de te parler. J'ai beau savoir que ça me fout le cafard, je peux pas m'empêcher d'y croire. Ouais, la nuit sonne, ses derniers coups, j'irai jusqu'au bout. J'aurais voulu quelque chose de bien, j'aurais voulu que tu me dises bien, j'aurais voulu. Oh. Et là, debout sur le trottoir, comme chaque soir, je te raconte l'histoire des larmes de rue, dans les bars qui puent, les regards moisis. Allô Paris, tout est fini, et putain, je suis fatigué. J'aurais voulu. La peinture, la danse, c'est quelque chose que tu as laissé un peu en parenthèse parce que tu disais qu'il y avait l'urgence de faire passer tes envies autrement, c'est-à-dire par la musique ou bien toujours, depuis tout à l'heure, tu me poses des questions, tu veux parler que de ça, quoi. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Non, pas du tout. Quoi. Pourquoi bah alors, laisse tomber, ça fait trois fois que tu me la poses cette question, que je te réponds pas. Sur la peinture? Ouais, tu vois, c'est l'enchaînement direct, j'en ai marre. Excuse-moi, tu payes pour les autres un peu, mais c'est. Oui, j'ai l'impression que je paye direct, un peu pour les autres. Je les vois venir à 3 km tes questions depuis tout à l'heure. Tu vois, j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose, tu vois, qu'on parle que. J'aimerais bien. Il suffit pas de déballer le mot sida pour que ça soit intéressant. Tu vois. Mais je ne vais pas déballer le mot sida, je t'ai déballé une fois et puis c'est ça. Je te demande de raconter ma vie, mais pourquoi je vais te raconter ma vie? Ça va apporter quoi au chemin public, quoi? Te dire qu'à 15 ans, je me faisais des trous dans les bras, c'est spectaculaire, ça fait du bien pour passer à la télé, tu vois, mais finalement, est-ce que ça étaye mon discours? Est-ce que ça fait comprendre aux gens qu'il faut s'occuper des autres, quoi? Il faudrait parler de ça, il faut dire aux gens, au lieu de construire un commissariat et un terrain de basket, eh ben, construisons un centre culturel pour que les gens soient moins cons, parce que moi, l'art m'a sauvé la vie, et c'est ça que j'aimerais communiquer aux autres. Tu vois, leur dire, il y a toujours quelque chose de beau à sortir de n'importe quelle merde. C'est pour ça que ton pote, quand il a entendu mon disque, il n'a pas bien compris, parce que c'était de la merde, mais de la belle merde qui... Ah, c'est une fleur de fumier, tu vois. Il y a toujours des fleurs de fumier à faire pousser partout, quoi. Après ça, voilà, quoi. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on frappe pas du gazo, qu'on frappe pas de mambo. Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis ouais pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleines dents dans les joues roses d'un enfant. Je dirais salut mon petit gars, lui me dirait salut papa. Je l'emmènerais faire des conneries, tous les trucs qui sont pas permis. Comment on guidera les meufs, comment c'est qu'on fait la teuf. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de gâteau, qu'on fera pas de marron. Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Moi, j'aime pas l'adversité, voilà. Le sida fait partie de l'adversité.
J'aime pas toutes les adversités, j'aime pas l'ennui. Je demande aux gens d'être prétentieux et de se battre. J'ai eu la chance toujours aussi que mon ennui, j'ai pu le transcender de manière artistique. C'est-à-dire que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours écrit et j'ai toujours joué un peu de guitare. J'ai eu cette chance-là. Mais si j'avais pas eu cette chance-là, mais j'en serais mort. De cette espèce d'ennui, de manque de perspective. Moi, je plains les mômes aujourd'hui qui n'ont qu'une seule raison, c'est d'aller manifester pour le SMIC jeune. Vraiment, ils me font pitié parce que je leur dis, attendez les mecs, avant de savoir combien on va gagner demain, il y a des choses à créer. On est tous des créateurs, quoi. Mais moi, tu vois, avant de crever, je voudrais laisser couler la mort d'un petit nez, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu me dis que tout ça c'est des fantasmes, et j'ai du mal à te contredire, mais je voudrais quand même laisser une trace avant de partir, avant de mourir même. Si la vie c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas du vieux os, qu'on fera pas de marmots, pour le violet tout haut. C'est pas du gâteau, et qu'on fera pas du vieux os, on fera pas de marmots, pour leur gueuler tout haut. C'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, on fera pas de marmots, pour leur gueuler tout haut. La vie c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau.